checker, il est 5h30. Je sais pas si on voit avec le focus. Donc c'est parti, on va surfer là avec des potes, ça devrait être cool. Enfin, les prévisions en tout cas sont cool. Donc on va voir tout ça. Allez, let's go. Il y a la petite lune, c'est ce qui est. Du coup, je suis avec les gars là, ils sont en train de passer là-bas. Pour l'instant, on est tout seul à l'eau. Je sais pas si les vagues vont être vraiment cool. On a vu 2-3 passer, mais ça a l'air d'être long à venir et on a vraiment pas longtemps de surf. Donc bon, on va voir. Petit lever de soleil, pleine lune. Ça se sent avec la baleine, ça fait plaisir, il n'y a personne à l'eau. C'est un peu le cafouillis, mais on va essayer de choper quelques vagues. On comprend pourquoi il n'y a personne dans l'eau. Je me suis pris une bombe sur la gueule, là, un gros set. Je me suis fait démonter, j'ai dû repasser par la baleine. J'ai galéré là, j'ai les bras en feu. C'est compliqué, hein. C'est hyper aléatoire. Comme vous pouvez le voir, la situation était vraiment très compliquée, vraiment pas cool. Il y avait beaucoup de courant, les vagues décalées à chaque fois, c'était incompréhensible. C'est pour ça qu'il y avait personne dans l'eau. Vraiment, j'ai pris que des vagues pas ouf. À chaque fois, j'avais l'impression qu'elles étaient bien et au final, il y avait trop d'eau ou du backwash. Ce qui était horrible, c'est qu'on envoyait des vagues parfaites passer, mais bah, elles étaient juste imprenables. Ou alors, il fallait avoir un meilleur niveau que moi. Donc ouais, je vous ai quand même mis ces petits extraits parce que les conditions étaient quand même vraiment jolies. Et puis, ça sert à rien de faire que rêver des fois.